Eh bien, bonjour tout le monde, ici Goblin et aujourd'hui on se retrouve sur Taxi Life, a City Driving Simulator pour une nouvelle découverte d'un jeu que j'attends depuis plus d'un an. Ça fait très très longtemps que j'attends ce jeu, pardon. Et là, je gêne un petit peu la circulation, mais en même temps je suis sur mon arrêt de taxi. On va mettre le petit clignotant pour les prévenir. Et donc j'espère que cette petite découverte vous plaira. On est sur PS5. Le jeu souffre un petit peu de petits lags par moment. C'est un petit peu dommage, le jeu vient tout juste de sortir. On espère qu'il y aura vite des correctifs. Et surtout, grosse mauvaise nouvelle, c'est que le jeu ne prend pas en charge le volant sur console pour le moment. Et ça, c'est assez honteux pour un jeu de simulation quand même. Sachant que sur PC, les volants sont pris en compte. Donc c'est un petit peu déplorable. Je suis en discussion directe avec les développeurs du jeu, du moins avec l'unique développeur du jeu, parce que c'est une toute petite équipe qui est sur le projet. Et il m'a fait part que les volants viendront à terme, mais c'est pas tout de suite. Et il attend le retour de la communauté. S'il y a une forte demande, ils vont accélérer là-dessus. J'espère que ça viendra vite, parce que moi j'ai envie de démarrer un let's play sur ce jeu. J'ai fait le prologue. Il faut passer son permis de conduire, c'est stylé, j'ai bien aimé. J'ai eu mon permis en poche, j'ai fait ma première mission et on a eu la note de 5 sur 5. D'ailleurs, on a un client qui est derrière si jamais, mais on va aller se garer sur le côté parce que là, on dérange un petit peu, j'ai l'impression. Et on est sur un beau jeu de simulation avec un mode carrière. Et ça, c'est rare, hein, parce que souvent, les jeux de simulation ont pas trop de mode carrière. On va se mettre là pour l'instant. Ah, c'est là pour changer la vue, je savais pas comment c'est. Donc voilà, on va mettre le frein à main, c'est mieux. Le jeu est quand même plutôt joli. Graphiquement, on peut faire mieux, mais sur console, honnêtement, c'est pas mal. C'est dommage que ça souffre de petits lags par moment. J'espère que ça ira quand même. On est à Barcelone, à l'échelle 1-1, mais on est que sur un quartier de Barcelone. Hein. C'est pas tout Barcelone, ne rêvez pas. Mais on est sur une échelle 1-1, donc ça, c'est beau. Et je crois que voilà, on peut voir la carte directement en grand. Voilà, voilà ce que on aura comme terrain de jeu. Alors là, c'est grisé. Est-ce qu'en faisant des missions, ça va se débloquer? Ou est-ce qu'il y aura des DLC? C'est la question que je me pose. Parce que tout ce terrain de jeu-là, il me donne envie, hein. Mais je ne sais pas si on aura accès à ça. J'ai peur que non. Et à mon avis, c'est un jeu, il n'y aura pas de suivi. On les connaît, ce genre de jeu qui débarque sur console. En général, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de contenu à ajouter derrière. J'espère que ce jeu, voilà, va échapper un petit peu à l'exception. Mais j'y crois moyen. En tout cas, il y a beaucoup de contenu quand même, parce que, y a un réel mode carrière avec une finance à gérer, des taxis à gérer, etc. Et on voit qu'il y a des radars d'indiquer sur la carte. Ça, c'est pas mal. Et on va se remettre en vue intérieure. On a le GPS qui est fonctionnel. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et d'ailleurs, on peut cliquer directement comme ça. Ok. Je découvre encore. Hein. Je découvre encore. Alors là, je suis avec une petite boîte auto. Oh, la caméra de recul. Incroyable. Incroyable. La caméra de recul. Et ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, on va la laisser allumer ou quoi que. Est-ce qu'elle se règle automatiquement quand je mets ma marche arrière? Parce que je suis en boîte auto, mais c'est moi qui mets la marche arrière. Et non, la caméra s'allume pas. Donc si je l'allume et que je mets là, voilà. Et là, elle s'allume automatiquement. Oh, c'est top, c'est top. On peut mettre la petite radio aussi. C'est parti, musique copyright, on y va, on y go. J'espère que le son sera pas trop fort pour les musiques. Bah si, ça va être fort, ça va être fort. On peut voilà, baisser les vitres, etc. Le jeu est assez complet. Alors, j'ai pas réussi à baisser ma vitre. Ah si, apparemment il était baissé. Pour monter vite, je sais pas, je sais pas. J'arrive pas à voir qu'elle est baissée. Les rétros sont fonctionnels, ça c'est bien. Et puis moi, je propose, c'est qu'on aille chercher notre premier client. On va aller à côté. Il y a plein de clients qui appellent le taxi. Attendez, j'ai un coup de fil d'ailleurs. Oui, allô, la Moon Wolf Taxi pour vous servir. Oui, eh ben je suis à côté. Je suis là dans 2 minutes. Y a pas de souci. À tout de suite, merci, merci, merci monsieur. Allez, c'est parti. On a un client qui nous appelle. On y va. On va baisser le son par contre. Parce que le. Non, c'est pas ici. Le son du jeu était fort. Le son du jeu était fort. De la musique, du moins. Voilà. Allez, on va pouvoir mettre la marche avant. Et puis on va pouvoir y aller. C'est parti. On y va doucement. J'ai le frein à main. Eh oui. Alors, on a le droit de sortir comme ça. Par contre, on ne peut pas tourner à droite. Ah. Il faut faire le tour. Faut faire le tour. Bon, on va faire le tour, on va mettre son petit clignotant. Hop, on va s'arrêter tranquillement. Ah, j'ai hâte que les volants soient pris en charge. Hein, parce qu'à la manette. Ah, j'aime pas ça. Hein, j'aime pas ça, jouer à des jeux de simulation à la manette, c'est juste infâme. Hein, faut dire ce qu'il en est. Mais le jour où les volants seront pris en compte, je sens que je vais me régaler sur ce jeu. Et on démarre un mode carrière. Là, on est sur une découverte pour l'instant. Et on lancera sûrement un mode carrière le jour où les volants sont pris en charge. C'est sens interdit! J'avais pas vu vite. Mets la marche arrière, s'il te plaît.
Vite, 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 vite. Et j'ai encore mis mon frein à main. Hop là. On y va vite, on fait le tour. J'avais pas vu. Ah, je connais pas bien Barcelone, je viens d'arriver ici. Moi, je viens d'Allemagne. Donc, je connais pas du tout Barcelone, même si j'ai déjà été une fois dans ma vie. Et petit fun fact, mais quand j'étais gamin, j'aimais énormément les petites voitures, etc. Et je voulais être chauffeur de taxi plus grand. Le feu de carrefour devant fonctionne pas bien. Ah ouais? Attention alors. Et oui, parce qu'il y a des petits imprévus par moment. Hop, on va doubler par la droite, c'est pas bien. Hop, vite, parce que le client, il va râler, on est un petit peu en retard. Et oui, comme je vous disais, du coup, plus tard, je voulais être chauffeur de taxi. Bon, j'ai jamais été. J'ai été chauffeur livreur. Hein. Ça ressemble un petit peu. Je livrais des colis. C'était pas des passagers, mais voilà. Je peux enfin réaliser mon rêve. Par contre, il se passe quoi s'il y a la police, on va faire attention. On klaxonne un petit peu, là, bougez-vous. Hein. Mon client, il attend là. Va pas être content le client. Hop. On arrive, mais ça bouchonne, hein. Eh ouais, il est 10h pourtant, on n'est même pas à l'heure de pointe, c'est incroyable. Incroyable, bon, on va y aller tranquillement. Là, ah, monsieur, bonjour, passez. Il a l'air d'avoir une vraie qualité de vie, ça c'est assez plaisant. Alors, je sais pas où il est mon passager, je me mets là. Est-ce que le passager, il est là? Alors, frein à main, s'il te plaît. Comment je fais pour le récupérer? Peut-être qu'il faut que je m'avance encore un peu. Alors on va y aller comme ça. Eh, c'est peut-être ici. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas du tout où il est. Alors cette vue-là, elle est injouable. Il y a à peine vue éloignée, c'est dommage. C'est dommage. Hop, on va se garer correctement. Mais je sais pas où il est le passager. Parce que moi je suis arrivé, hein. Si je klaxonne peut-être. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Acceptez la mission. Ah, j'avais pas accepté, c'est pour ça. Ah oui, mais je vais pas faire demi-tour. Ah là là, j'étais garé au bon endroit. Ah, attendez, comment on met ces warnings? On va essayer de mettre les warnings. Je découvre encore le jeu, hein, c'est pour ça, là, c'est la totale découverte. Ah là, ça va être ici, je pense. Il y a pas mal d'options, il y a pas mal d'options. Alors, j'ai pas vu les warnings. Feu de détresse. Voilà. Est-ce qu'ils sont mis? Non. Comment je les mets? D'accord, en appuyant là-dessus. On va mettre les feux de détresse. On va mettre la marche avant, on va s'engager, puis on va reculer. Vite, 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 avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Hop là, on est chauffeur professionnel, nous. Hein. Voilà. Oh, je suis trop bien garé. Ah là, je suis fier de moi. Bonjour, madame. Attendez, attendez. Hop, je vais mettre le frein à main. Alors, vous voulez aller où? Alors attendez, je regarde sur ma carte. Très bien, ça va faire cher hein, parce que c'est loin. Hein. On va se remettre en vue comme ça. On va enlever les warnings. Comment on fait? Une fois de plus. Les touches sont assez complexes parce qu'il y a tellement de mécaniques possibles. Ah, mais sinon, je peux les éteindre comme ça, mes warnings. Voilà, c'est parti. Et marche avant. On va vérifier le rétro, il n'y a personne. Et on y va. Ça va, madame? Vous avez passé une bonne matinée? Oui, bon bah nickel. Nickel, nickel. Pour un entretien d'embauche que vous allez là-bas? Ah bah, j'espère que ça se passera bien. J'espère que ça se passera bien. Un peu stressé? Ah bah, faut pas, faut pas. Ah bah, je comprends, je comprends. Ouais, Ah oui, votre mari aussi, j'avais pas vu, excusez-moi. Ça payera double, hein. Ça payera double. Hop. J'aurais peut-être dû me mettre sur la gauche, hein. On va le laisser passer. Ah, s'il vous accompagne pour gérer votre stress, ça ouais, c'est un bon plan, c'est un bon plan. Par contre, ça bouchonne devant. Eh ouais, ça bouchonne. Hein. Ouais, non, on va pas être en retard. On va pas être en retard. C'est pas très loin. Par contre, s'il pourrait avancer, ça serait bien. Parce que ouais, on va finir par être en retard, effectivement. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'ils nous font? Voilà. Ah, parce que sinon on n'avancera jamais. Hein. Ah, mais dès qu'il y a la police, les gens ils ont peur. Voilà. Oui, je suis nouveau en ville. Je suis nouveau en ville. Je viens de lancer mon entreprise de taxi. On a ouvert aujourd'hui.
mes premiers clients. C'est le plaisir d'avoir deux clients d'un coup, ça a payé double, hein, comme je vous ai dit. Ça, moi, je suis gagnant. Hein. Et puis voilà, on va essayer de se lancer dans la ville. Parce que j'ai entendu parler que ça manquait beaucoup de chauffeurs de taxi. Hein. Ouais, l'ancienne compagnie, elle a fait faillite. C'était quoi la compagnie? LXID Taxi? Ah ouais, elle a fait faillite. Ah ouais, je comprends, je comprends. Attention, le feu ici déconne un peu. Allez, vite, 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 on va tourner. J'ai eu peur. Ouais, c'est bon. Oula. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tac. Oh, monsieur, faut pas freiner devant. La radio vous dérange un peu? Ah, bon, on peut changer, on peut changer. Voilà, j'ai baissé le volume. Normalement. Oh, le petit dodan, attention. J'arrive pas à changer la radio parce que. Voilà. Changer la station, j'espère que ça vous plaira. Là, on vient sur une voie. Il n'y a personne, c'est bon. Ah, c'est quand même joli Barcelone, hein. C'est quand même joli. 8 ans que vous habitez là, vous? Ah oui. Ça va, vous connaissez bien les lieux. Tac. Ouais, ici, nous, on doit tourner avant le pylône. Ah, il y a quelques petits moments de freeze, c'est un petit peu dérangeant. On y va tranquillement. Je sais pas, c'est combien ici? 70, on peut y aller. Ouais, mais ah ouais, 70, il y a un dodan avant. Maintenant, 70. On accélère un peu pour pas que vous soyez en retard. C'est 11h votre rendez-vous. Ah oui, bah on va accélérer un peu. Effectivement, il y a un radar. Attention. Merci de m'avoir prévenu, c'est gentil, monsieur. Ah, je connais pas encore les emplacements de radar, effectivement. Ah, ils sont piégeux. Ils sont piégeux. Et oula, j'ai plus beaucoup de carburant, moi. Si c'est mon carburant, là, je suis dans le mal, non? Ah, je connais pas encore mon taxi. Hein. Ça, c'est les véhicules qui ont été fournis par la ville. Mais oh le salaud! C'est pas possible, on m'est rentré dedans là où je rêve! Comment on descend? Comment on descend? Mais putain, c'est pas possible, je viens d'à peine arriver, on me rentre dedans! J'ai l'impression qu'on m'est rentré dedans. Comment on fait un constat? Non? Non, c'est dans ma tête, bon j'y vais, parce qu'à un moment on va être en retard. Hein. Non, le taxi a pas l'air d'être abîmé, je sais pas. Bon, je me fais des films. Ah, c'est mon téléphone qui a vibré, c'est pour ça, ça fait une secousse et j'accélère en même temps. C'est ici, très bien. Ah oui, c'est pour une petite supérette, l'entretien d'embauche. Oh, ça devrait le faire. Qui vend des scooters? Merci, monsieur. Avec sa fourgonnette, il me laisse passer. Ça devrait le faire. Par contre, le trottoir, là, il me paraît haut, non? Non, c'est bon, on va y aller. Ah ouais, je vous disais, ça, c'est les taxis qui ont été fournis par la ville. Moi, je vais me prendre autre chose de mieux après. Hein. Oh oui. Oui, non, mais je sais que je suis mal stationné, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Attendez, monsieur, dame, hop. Voilà. Bah, allez, bon courage à vous, madame. Bien joué. On a eu 4 sur 5. Ok. Ok. Pas de pourboire. Salaud. Il y a une course, pas loin apparemment. On va accepter. J'aime bien la mécanique, j'aime bien la mécanique. Par contre, voilà, hein, je reviens sur le coup que la manette, c'est quand même un. Un enfer. Hein. Hop. Alors j'ai oublié que je suis en boîte manuelle auto. C'est assez perturbant. Hop. On va se remettre quand on vue intérieure. Ouais, 1 km la course, c'était pas si proche que ça. Hein. Hop, on va s'arrêter là. Et il me colle vachement le mec derrière. Hein. Ouais, j'aime pas ça moi. Est-ce qu'on a le droit de tourner à droite pour. Ouais, bah ouais. Pourquoi il veut qu'on fasse tout le tour? Non? On a le droit, hein. Bah, je pense. Oui, y a pas de raison. GPS qui est pas encore bien à jour. Alors, hop, on va se mettre ici. Il y a du trafic, hein. Il y a du trafic à Barcelone. Ah, mince, je vois plus le feu. C'est vert. On va se mettre un petit peu en vue capot. Non, je crois que c'était des voitures stationnées à droite. Pas du tout. Bon, faudra se rabattre après. On va aller se faire une deuxième course. Et puis ensuite, je pense qu'on se quittera là-dessus. En tout cas, j'aime énormément hein, le jeu. Mais oula, attention. Avance devant, non? Il veut pas avancer. Pourquoi il veut pas avancer devant? Et là, je suis en pente, alors mon véhicule il recule. Ah bah écoutez, on va.
va essayer de s'engager. Hein. Il n'y a personne derrière moi. On va essayer de le doubler sur la droite. Hein. Je crois qu'il y a une voiture qui me passe. Non, elle me laisse passer. C'est gentil. Je sais pas, il a calé. J'en sais rien. Il est en panne. Hop. Il faut lui rentrer dans la camionnette. Ça le fait, ça le fait. Mais ouais, en tout cas, le jeu me plaît beaucoup. Et le fait qu'il y a un vrai mode carrière où on peut progresser, on peut avoir plusieurs taxis, les personnaliser. Je crois qu'on peut même avoir des emplois à long terme. Alors là, je dis peut-être une bêtise, hein. Mais c'est plutôt cool. Et puis voilà, on a accès aux mécaniques depuis l'habitacle, ça fait plaisir. On va remonter là vite. Mais ça, par contre, c'est pas l'heure de fonctionner. Par contre, il y a du monde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a du monde ici? En même temps, il y a le retour des beaux jours. Les gens sont de sortie. Hein. Alors, moi, mon client, c'est pas lui, c'est après. C'est ici. On va remonter sur le trottoir. Attention, monsieur. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai fait ça toute ma vie. Oui, mais attendez, attendez, le véhicule m'a stationné. Hop. On va se remettre bien. Mais bien là. Voilà. Tac, petite cinématique. J'aime bien la petite cinématique. Puis ouais, graphiquement, le jeu est quand même assez joli. Hein. Regardez, quand même. Ça va. Bien sûr qu'il y a plus joli, mais ça va. Ça va, ça va. Allez, petite marche arrière. Quoique non, ça va passer là normalement. Ah oui, j'ai le frein à main. J'oublie ça à chaque fois. Hop. On va esquiver le petit dodane comme ça. Il y a un radar ici. Attention à pas se faire flasher. Merci Waz. Hein. Et voilà, là on arrive sur la délimitation de la map. Alors est-ce qu'il y aura une extension payante, gratuite ou autre? Ou peut-être que quand on fait le jeu, peut-être qu'on débloque d'autres quartiers. À suivre, à suivre. On va se remettre en VTR parce que je suis quand même meilleur en VTR. Je trouve. Hop là, c'est ici qu'on tourne. Ouais, c'est ici. Non, c'est après. Un petit peu perdu, hein. Hop, attention, monsieur. Faut les tourner avant, madame. Moi, mais ça rejoint aussi, là. Vous inquiétez pas, je connais mon métier. Je connais mon métier, ça va le faire. Ah, vous savez, à nous, on est toujours sur les routes, on connaît les raccourcis. Là, si on tourne avant, en fait, on avait des bouchons de fou. Pour ça, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Attention, feu rouge. Tac. Oui, je vais bien, merci, c'est gentil de me demander. Merci, j'espère que vous aussi. Avec ce soleil, il fait chaud, hein, il fait chaud. Ouais. Il fait très chaud. Si vous voulez, il y a des barres chocolatées côté de vous, dans le vide-poche. Pour les clients, il n'y a pas de surplus, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas Uber, nous, on facture pas pour ce genre de petits frais. Il y a même une petite bouteille, hein, petite bouteille cristalline. Bah oui, il faut se rafraîchir, il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Moi, j'ai. Pareil, j'ai ma petite bouteille à côté de moi. J'ai ma petite bière, enfin ma bouteille d'eau, vous inquiétez pas. Il y a du monde là. Hop. Ouais, vous devez arriver pour quelle heure? 11h45. Bon, on sera dans les temps. Il est même pas 11h30, madame. Vous inquiétez pas. Ça va le faire. Allez, 28 degrés. 28 degrés, il fait dehors. Canicule. On est au mois de mars, 28 degrés. Ouais, c'est. Ah bah c'est le réchauffement climatique, hein. Non mais c'est vrai madame, vous avez raison, entièrement raison, le réchauffement climatique et tout, là les saisons en ce moment c'est quelque chose de fou. Attention monsieur, pas passé au rouge lui? Je pense que si. Ah non mais ça c'est clair, hein, pour revenir là-dessus, c'est incroyable. On n'a pas cet hiver, on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu, eh oui, incroyable. Sévère, merci madame. Par contre, lui qui s'engage devant moi comme ça, là. On va le doubler.
Parce que ça, c'est les dangers publics, hein. Moi, je reste pas derrière les dangers publics. Hein. Ouais, je peux éteindre la radio, y a pas de souci, madame. Y a pas de souci. Non, attendez. Voilà, y a pas de problème. Il suffit de demander. Bon, je me suis un peu arrêté au milieu de la route pour éteindre les... la radio, mais voilà. Ouais, ça monte à la tête la musique. Ouais, mais je peux comprendre. Ah, oh, je mets toujours un petit peu. Putain, mais c'est incroyable! Comment on fait un constat? Comment on fait un constat dans le jeu, par contre? Bonne question, ça. Regardez vite fait, mais là, je pense qu'on peut rien faire, en fait. D'ailleurs, on peut désactiver certains trucs. Ok. On peut désactiver les accidents, si jamais, d'accord. Bon, on va pas les désactiver, mais... Bon, les constats, on verra ça plus tard. On va imaginer qu'on sait pas faire entrer dedans. Parce que je sais pas comment on fait. Tac. Ah oui, ça fait rouge, ça fait vert. On va passer dans la camionnette. Voilà, petite queue de poisson, mais... Vous devez arriver à 45, il est 41. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Hop, on se gare. Attendez que je me gare bien. Attendez, je recule, je recule. Voilà. Petit frein à main. Ah, je suis pas bien garé. Oh, comment ça, je suis pas bien garé de quoi? Hop. On est bien là. À un moment, il va falloir faire un effort aussi. Ah, je suis peut-être pas bien garé, effectivement. Attendez, on va reculer. Voilà. Voilà, madame. Vous pouvez descendre. Allez, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Et est-ce qu'elle m'a donné un petit pourboire? 4 sur 5. 28 euros pour boire. 28 euros. Let's go. Le début de la richesse. Mais écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour cette découverte. Je kiffe le jeu, honnêtement. Même si, bon, on a vu qu'il y a quelques petits problèmes, notamment des petits lags. Après, je pense que c'est parce qu'ils l'ont poussé un peu trop, hein, graphiquement. Il est quand même très très joli. Il y a la caméra de recul, il y a le GPS qui fonctionne. Et les textures sont quand même très jolies. Et le jeu a l'air d'être assez complet. Pour un jeu de simulation où les mecs sont catabossés dessus, le jeu a l'air d'être pas mal complet. Écoutez, il y aura sûrement un mode carrière qui va démarrer sur ce jeu parce que je m'éclate beaucoup. Et on attendra que les volants soient pris en charge. Parce que à la manette, c'est quand même assez... voilà, c'est un petit peu saccadé. Au volant, je pense qu'on pourra vraiment mieux s'amuser. On espère qu'ils vont vite corriger le tir par rapport au volant. Et écoutez, on se dit à très bientôt sur d'autres jeux de simulation et sur RC24. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous, bye bye.